Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup, Amélie. De rien. Frédéric Bellier-Garcia est notre invité pour parler de Lucia, la mère mort, metteur en scène. Bonjour Frédéric. Bonjour, enchanté. Enchanté, pareillement, merci d'être là, à mes côtés. Vous êtes le metteur en scène de cette œuvre de Donizetti. Vous sortez des répétitions, vous êtes en pleine répétition justement avec toute cette magnifique distribution. Demain, vous allez être pour la première fois en répétition sur scène. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce changement entre studio et plateau ? Oh, c'est toujours un moment curieux, parce que dans le studio, il y a une sorte d'intimité qu'on aime bien avoir au début avec les chanteurs. On est plus sur le jeu que sur l'image. Voilà, puis c'est le moment où on découvre les chanteurs, leur humanité, leur corps, tout ça. Donc c'est assez un moment agréable, mais... Il y a un moment, surtout pour cet opéra qui est comme ça sur les grandes émotions et sur les sensations où on a besoin de l'image que fabrique la mise en scène et des lumières, tout ça pour monter d'un cran. Quoi, voilà. Alors comment vous êtes physiquement devant tous ces acteurs, ces artistes, on va dire ? Est-ce que vous êtes très proche d'eux pour les guider ? Comment vous fonctionnez ? Oui, moi je suis assez proche. Oui, moi je suis assez, comme ils disent parfois, assez tactile. Quoi. J'aime bien j'aime bien parler à l'un après l'autre, montrer un peu. Je montre pas comment jouer la scène, mais je montre des gestes auxquels je tiens ou un peu un mouvement comme ça. J'indique par petites touches. Voilà, donc j'aime bien être au contact avec eux. Oui. Mm-hmm. Est-ce que vous les aider aussi à révéler certains actes, certains gestes. Est-ce que vous les laissez libres aussi à travers leur propre improvisation tout en respectant cette guidance ? Comment Toujours, est-ce que vous êtes quelqu'un de très exigeant ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de très rigide ou plutôt assez ouvert par rapport à ce que vous apportez ? Non, je crois être ouvert. Je crois, notamment comme je viens du théâtre aussi, et je crois qu'à l'opéra c'est vrai aussi, il faut s'inspirer surtout dans des ouvrages comme ça où tout est sur le sentiment, sur l'émotion, il faut s'inspirer de l'humanité des gens qu'on a en partenaire, quoi, qu'on a des chanteurs qui sont là, de leur humanité, de leur juvénilité parfois, et donc je suis très à l'écoute. Même le premier jour où ils font qu'une musicale, je les regarde beaucoup pour voir un peu ce qui transpire d'eux, quoi. Et après, je m'inspire beaucoup de ce qui transpire d'eux, même si j'ai un schéma global pour l'opéra. Je m'appuie sur ce qu'ils sont pour fabriquer les personnages qu'ils doivent incarner. Alors surtout, ce sont des artistes que vous ne connaissez, avec lesquels pour la plupart du temps... Là, une partie que je connaissais pas, oui. Donc il y a un temps d'adaptation aussi Oui, il y a un temps qui doit être rapide, toujours, à l'opéra, parce que les choses vont vite. Mais il y a un temps de... on apprend un peu à les connaître, dans le jeu d'ailleurs, dans le jeu, et à partir de là, on essaie de s'appuyer sur ce qui fait leur fantaisie ou leur singularité propre. Quoi. Mmh. Est-ce que parfois, vous trouvez que le temps passe très très vite, justement, à travers ces répétitions qui sont très, très courtes, quelque part ? Oui. C'est toujours un peu ambigu ou contradictoire. Je trouve le temps très court de répétition. À l'opéra, c'est la norme. Et à la fois, quand les répétitions sont trop longues, il y a une fragilité qui se perd, les choses se mécanisent un peu. J'aime bien l'urgence, j'aime bien travailler dans l'urgence et vite. Voilà, qui reste un peu de nervosité le jour de la première, que tout soit pas trop vissé. Voilà, on essaie de faire d'une contrainte à quelque chose de positif. Alors, cette mise en scène, comment vous l'avez imaginée ? Est-ce que vous êtes adapté par rapport à l'époque ? Pardon, est-ce que vous êtes non, adapté par rapport à l'époque même de... L'ouvrage, c'est plus une... c'est la première fois que je faisais du bel canto, une sorte d'ouvrage lyrique. Et c'est vrai que c'est une œuvre qui vaut
moins par l'histoire ou même par le drame qu'elle raconte, comme des œuvres de Verdi ou inspirées de Shakespeare ou quoi, que par... c'est une atmosphère, quoi. D'ailleurs, le roman dont s'est inspiré de Walter Scott, c'est aussi une atmosphère brumeuse, un peu gothique, comme ça, avec des fantômes, des revenants. Et surtout, c'est un opéra qui se termine par une scène de folie tellement énorme, voilà, tellement exceptionnelle et tellement folle, je dirais, même la scène, pour l'interprète, au niveau musical comme au niveau physique, que tout l'opéra est un peu... comme ça, drainé vers cette scène, et en tant que metteur en scène, c'est essayer de plus que reconstituer une époque ou quelle que soit l'époque est peu importante là-dedans, c'est plus une sorte d'atmosphère mentale qu'il faut arriver à traduire sur scène. C'est intéressant pour un metteur en scène, cela? Ah oui. C'est enrichissant Oui, c'est toujours pour soi? pour soi, c'est toujours enrichissant. Oui, c'est un genre très particulier, c'est assez envoûtant, c'est assez. Il faut arriver à ressentir, à se mettre à ressentir les émotions des personnages ou du public. Enfin, il faut être à l'écoute de ces émotions pour arriver à faire jouer les gens, à faire sonner la pièce comme il faut. Alors, est-ce qu'être à l'écoute de ses émotions, c'est être aussi sensible, avoir une sensibilité particulière, vous pensez? Bah, il faut, oui, être sensible ou se rendre sensible à cet opéra-là, à cette histoire, à l'histoire de cette fille comme ça qui se brûle la tête dans l'amour et qui, voilà, qui verse dans la folie parce que cet amour lui échappe, lui est refusé. Voilà, il faut avoir envie de ressentir en nous un peu quelque chose de ça, même si c'est une jeune fille, mais si ça se passe, je ne sais pas à quelle époque, ou voilà, une sorte de fraîcheur, de frénésie et de folie qu'on peut connaître dans l'amour et qu'il faut arriver à rendre sincère sur scène. Alors, est-ce que la musique vous guide aussi? Est-ce que toutes les couleurs musicales de cette musique de Donizetti arrivent à vous guider ou... Oui, bah là je dirais l'opéra, en tout cas cet opéra est plus dans la musique et dans les voix que dans le livret lui-même, sauf peut-être cette scène qui est très très bien faite de démence, voilà, qui est très très bien écrite. Donc il faut, oui, il faut se laisser aller, enfin on se laisse plus aller à la musique qu'au texte lui-même. Alors, vous avez déjà mis en scène cet Oui. ouvrage. Est-ce que c'est à chaque fois, lorsqu'il y a des renouvellements de mise en scène sur les mêmes ouvrages, est-ce que ce sont des nouvelles créations ou est-ce que parfois il vous arrive aussi de reprendre ces mises en scène? Est-ce que comment vous Ben, gérez c'est cela? toujours Est-ce un que ça mélange dépend des deux. aussi Il de... y a une sorte d'architecture qui est faite la première fois, notamment le décor, les costumes, voilà. Mais après, ce qui vit dedans est à chaque fois une recréation, oui, comme je disais, notamment une recréation avec les chanteurs qui changent toujours ou souvent. Ouais. Mais est-ce que vous arrivez à vous dégager déjà de cette première création que vous avez déjà réalisée Oui, bon, ça auparavant? Vous reste une arrivez quille, à... ça reste un peu une quille Ouais. sur lequel on repart. Mais à la fois, ça change. Par exemple, là, celui qui joue Florian, qui joue le rôle d'Enrico, donc du frère. Pour la première fois depuis que je le fais, a quelque chose d'assez juvénile et qu'il est plus une sorte de jeune frère terrible, comme ça, amoureux de sa sœur et à la fois pour son égoïste et voulant son malheur. C'est la première fois qu'il y a cette couleur-là qui déforme un peu toute l'histoire, comme ça, par ricochet. Donc il faut se réécrire dans sa tête l'histoire avec les interprètes qu'on a avec soi. Qu'est-ce qui vous plaît dans la mise en scène? Celle-là ou en Non, en général? général. En général, bah, c'est oui, c'est essayer d'accompagner, de convoquer ses propres émotions par rapport à une œuvre et essayer d'accompagner le sentiment d'une œuvre, surtout à l'opéra. L'opéra, je trouve, par rapport au théâtre, toujours ça parle à une autre partie de la, comme dirait Pascal, une autre partie de la tête, quoi. Ça invoque, ça évoque des sentiments plus de l'enfance, plus archaïque que le théâtre, qui est quelque chose de plus raisonné.
Et il faut arriver à, sur scène avec les voix, la musique du chef, de Zetti et la musique retransmise par le chef. Et ces voix arriver, oui, à convoquer ces émotions, là, ces émotions d'enfance. Souvent, dans Lucia, il y en a une sorte de, comme ça, avec un scénario un peu fantastique. Voilà ce que j'aime bien faire, c'est mettre en image et en corps des idées, quoi, des émotions. Ça va comme réponse? Ça peut être compréhensible. Voilà. Théâtre, opéra, cinéma aussi, en tant que réalisateur, Donc, notamment oui, surtout l'écriture pour l'instant, ouais, un l'écriture, scénariste. scénariste, notamment avec Nicole Garcia, qui, on peut le préciser, votre maman aussi. Justement, ce rapport cinéma, est-ce que, en ayant une maman réalisatrice et actrice aussi de cinéma, n'avez-vous pas été plus influencée dans ce milieu-là? Vous êtes restée plutôt dans le côté artistique, opéra, théâtre, que le cinéma? Comment ça s'est révélé en vous? Moi, déjà dans une vie antérieure, j'étais très loin de ça. J'étais professeur de De philosophie, donc philosophie, voilà, donc voilà. ça c'était ma prochaine question. Ah oui, d'accord, bah, j'anticipe. Non, après, voilà, professeur, j'ai beaucoup aimé ça. Un peu, comme on dit, c'est un métier à la fois superbe, mais un peu aride. J'avais envie de faire des choses plus collectives, avec des acteurs, des gens, des collaborateurs, et puis aussi. Plus où l'imaginaire pouvait plus s'exprimer que simplement la rigueur de la pensée. Voilà, après ça s'est fait d'abord via le théâtre, parce que le succès est venu au théâtre, et quand le succès vient, on poursuit une filière. Puis après, il y a eu la chance de faire de l'opéra qui n'était vraiment pas mon monde, mais aussi un plaisir, et bon, et d'écrire, parce que j'ai toujours cette velléité d'écrire pour le cinéma. Et j'aime bien passer de l'un à l'autre, c'est des exercices très différents, avec des gens très différents, mais chez moi, l'un alimente l'autre, quoi. Faire que de l'opéra ou que du théâtre ou que de l'écriture cinématographique, ça serait trop aride. Voilà, Et alors, est-ce que la philosophie aussi vous aide Oui, à... elle doit m'aider, je ne la convoque pas, hein, au chanteur, enfin, je ne fais pas de cours Non. avant chaque répétition, mais ça doit me nourrir moi, quoi, Ouais. par rapport à la lecture que j'ai des œuvres, des livrets. Ou voilà. Est-ce que vous avez une expérience, par exemple, une anecdote à nous raconter qui vous a marqué plus que d'autres lors de vos expériences de metteur en scène à travers l'opéra, le théâtre? Est-ce que... Il y a des mises en scène parfois qui touchent plus que d'autres, où on ressort toujours différemment de chacune, mais tout en étant aussi nourri. Oui, je sais pas, c'est très. Comment vous ressortez une fois que la production... Bon, parfois, il y a des tournées aussi sur certaines œuvres, mais lorsque, à un moment donné, la tournée s'arrête ou qu'il y a une seule représentation, comment vous le vivez une fois que c'est terminé? C'est à chaque fois, c'est très différent. Alors, théâtre et opéra, c'est très différent. Théâtre, ça dure des. On répète pendant très longtemps, puis après on joue Oui, pendant des c'est mois, on différent. fait parfois un an de tournée. Donc au théâtre, parfois quand ça s'arrête, une sorte d'émotion d'avoir vécu un an ensemble, quelque chose de voilà, et aussi un soulagement. Les acteurs n'aiment pas que je dise ça, mais soulagement que ça s'arrête aussi. À l'opéra, tout est plus frustrant. Il y a une sorte de tout est plus frustrant, à la fois tout est plus frénétique, c'est des temps plus courts, il y a plus de monde, l'orchestre, le chœur, voilà. Il faut fabriquer quelque chose qu'on joue une, deux fois, quatre fois. Il y a quelque chose une sorte de démesure, mais que j'aime bien, quoi. Qui est totalement contraire à l'époque actuelle, quoi. On en met des moyens fous, même s'ils sont moindres, qui ne pourraient l'être à chaque fois, mais des moyens fous pour réaliser une petite œuvre de 2h15 qu'on joue voilà, deux fois, et voilà, et tout ça, et au rideau final, tout ça disparaît. C'est frustrant et à la fois assez beau. C'est un des rares arts qui a encore ce panache-là, quoi. Faire des choses pour pas grand-chose, quoi. Je sais pas si c'est une réponse très politiquement correcte, mais voilà. Mais c'est dit. Mais c'est dit. Des projets prochains après l'Opéra d'Avignon? Après l'opéra d'Avignon, oui, en opéra, j'enchaîne en quelque sorte, puis je fais une mise en scène de Macbeth de Verdi à Marseille, à l'opéra de Marseille. Que vous allez présenter d'ailleurs
à l'Opéra d'Avignon en 2017. Oui, 17, voilà. Je ne savais pas donc si on pouvait le dire. Exactement. Et voilà, il y a au théâtre, je ferai une pièce de nouvelle création de Marianne Diaye au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées l'année prochaine. Au moment des élections. D'accord, voilà. Voilà. Même si c'est peut-être pas politiquement correct. Non. Qui s'appelle Honneur à notre élu. Voilà. Qui a pas peu de rapport avec ces élections-là. Mais voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Je pense que mon micro est tombé. J'ai senti... Ça doit toujours fonctionner. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric Bénin-Garcia. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.